Bonjour à tous, je suis Relus et bienvenue dans un nouveau rétro Relus Gaming avec aujourd'hui Motomo Abunai Deka, qui peut se lire aussi comme vous le voyez par The Most Dangerous Detective. Alors, petite précision sur ce jeu vite fait. Donc, Motomo Abunai Deka est sorti au Japon sur la NES en 1990, qui est l'adaptation d'une série policière japonaise. On peut y jouer à deux, on incarne les deux héros de cette série qui sont Takayama et Oshita, deux détectives méthode peu douteuse, évidemment. Donc le gameplay est assez simple, comme vous le voyez, on tire sur tout le monde, on progresse avec des niveaux à scrolling horizontal armés d'un revolver, on va traverser un bon nombre de stages pour tenter de mettre la main sur un chef de gang qui sème la panique en ville. Avec un scénario pareil, ça doit pas être nul. Et cette musique est franchement très géniale, je trouve. Alors, on peut jouer à deux players. Alors, je vais jouer avec Taka. Et je vais quand même essayer de traduire ce qu'il y a marqué. Alors, comment était la fille hier? On a broke up, je sais pas trop. Elle m'a lâché à minuit, elle était trop bien pour toi, c'est ça? Elle m'a dit qu'elle changerait ma vie, mon style de vie. Les femmes, ça vous change un homme. C'est approximatif. Bon, il est trop tard pour me changer. Hop là, je sais pas ce que c'est. J'ai toujours su que je quitterais ce job de fou. Et on y est direct. Alors on a Kala et ça va extrêmement vite. Donc je vais faire pause vite fait. Alors nous sommes donc ce personnage là qui est jouable. Notre nom, notre barre de vie et notre arme. Alors je vous rassure, on a ammo infini. Je ne sais pas utiliser de grenades. Je ne sais pas comment ça s'utilise. Ah, je me suis pris un coup. C'est un jeu très très drôle, assez addictif, je le dis pour ma part. Je ne sais pas à quoi sert ces initiales R, mais je pense que le but est de scorer. Et là, je vais quand même essayer de vous en montrer le plus possible. Même si je me ravance, c'est pas grave. C'est un jeu qui n'est pas vraiment dur. Donc pour ceux qui veulent commencer par un jeu simple, je vous recommande celui-ci. Et comme d'habitude, ce jeu est sur ROM Station. Le lien pour le télécharger est dans la description, comme d'habitude. Donc évidemment, bouton B pour tirer et bouton A pour sauter. Et je vous demande de remarquer les sauts que le héros fait quand même. Parce que dans la vraie vie, je pense qu'il ferait des sauts de 2 voire 3 mètres de haut. Là on voit bien la balle qui m'a frôlé le pied mais qui fait en sorte que je ne meure pas. La grenade, faudra vraiment que je... Ah, je viens de trouver. En fait, dans Start, avec les flèches de haut... Enfin, avec la flèche haut, on sélectionne. Ah d'accord, il faut que je ramasse des grenades, donc. Pour pouvoir les utiliser. Et le symbole R. Premier niveau fini. Les niveaux sont assez courts, c'est-à-dire entre 4 et 5 minutes, il n'y a pas de boss. Seul petit défaut de ce jeu, hélas, il n'y a aucun boss, ça... Pas que ça casse le rythme, mais c'est dommage. Voyons. Oh non, Miyazaka s'en va, nous devons le chasser. Et évidemment, il y a du swap color entre tous les ennemis. Pour ceux qui ne savent pas, le swap color, c'est le fait de réutiliser un ennemi juste en changeant ses vêtements, enfin la couleur de ses vêtements. Très très utilisé dans Street of Rage d'ailleurs. Que je vous recommande grandement, peut-être que je ferai une vidéo dessus d'ailleurs. Un grand jeu du beat'em all. Je me prends le maximum de balles dans mes dents. Les snipers sont assez cons, ils ne tirent que dans deux directions. Bon... Mais j'ai récupéré des grenades là, je peux les utiliser techniquement. Et au fur et à mesure que vous avancerez, par contre, les ennemis commenceront à user des techniques plus fortes les uns que les autres, notamment vous tirer en bas. Ce qu'ils ne font pas, regardez.
Il ne tire que en haut. Bon, je me suis pris un hit. Les seuls ennemis qui peuvent vous toucher lorsque vous êtes accroupi, c'est ces personnes qui ont un couteau. À ne pas sous-estimer d'ailleurs. Que de balles à la fois au pistolet. Bon. Un coup et je meurs à moins que je récupère ceci. Oh non, j'ai récupéré de la vie. Alors vous voyez ici, la touche A pour recommencer. Nous avons... alors j'ai pas perdu ma partie lorsque j'ai testé hors caméra. Mais il me semble que nous en avons 4. Avec la partie que je ne perdrai là. La vie, c'est important. Et là, on est au port de police. Et aidez-moi, nom de Dieu, je suis en train de me faire tirer dessus. Bande de flemmards. Alors, voyons voir ce que nous pouvons envoyer ou donner. Oh, saving, je sais pas. Combien doit-on en faire? Je ne sais pas beaucoup. Je vais arrêter de traduire, c'est trop complexe. Et là, sauf color magnifique, avant ils étaient bleus, maintenant ils sont noirs. Les magnifiques tenues des officiers de police. Et avant ils étaient blancs, enfin ils étaient violets, maintenant ils sont bleus. Les ennemis. Sauf color incroyable. Hop. Tuer les snipers, c'est important. Bon, il y a de la vie, je la prends pas, je me sens... je me prends un coup quand même. Et quand même, je vous demande de porter votre attention sur les balles. J'ai l'impression, moi, que j'aurais des mini-couteaux, personnellement. Et là, vous voyez, déjà, troisième niveau, les ennemis peuvent vous toucher en se baissant. Comme quoi, la difficulté est assez bien dosée, je trouve. A chaque fois, les ennemis peuvent faire une chose de plus qu'ils ne pouvaient pas faire dans les autres stages. Et si je continue, à moins que je récupère cette vie... Oui, je la récupère et je me prends une balle par contre. Et je peux utiliser ça? Non, je peux toujours... Mais pourquoi? Qu'ai-je fait? Peut-être y a-t-il une... Non. Non, bah... Quand même vérifier... Ah tiens, je le savais. Voilà. Ah, ce sont des balles spéciales, on dirait. Ouais, oula. Ce sont des balles spéciales, on dirait. Et donc là, les grenades. Non. Bon, j'ai continué avec ces. Ah, je les ai pas rechargés, c'est pour ça. Non. Ouais, c'est ça. Donc c'est A pour, en sélectionnant le R pour... Ah, c'est pas un R, c'est une arme, d'accord. Ah, c'est une mitraillette, oui. Ah, je comprends mieux. Ça doit être pour les phases de boss. Je vais la garder. Putain, j'ai compris que seulement maintenant. Hop, j'esquive la balle avec beaucoup de skill et de timing. Aïe, et je meurs. Hop, troisième vie. Et vous pouvez rester bloqué longtemps avec ces ennemis qui ne s'avancent pas, qui vous bloquent complètement. Allez, là je peux utiliser cette grenade. J'estime que c'est une grenade. Non. Ah, je l'avais. Voilà, une grenade. Wow, une grenade avec une puissance incroyable. Et ah, j'ai perdu tout. D'accord, en fait quand vous mourrez, vous ne gardez pas vos upgrades, je dirais, enfin, vos munitions. Hop, un ennemi extrêmement dur. Enfin, je n'appelle pas ça, c'est juste un ennemi, c'est pas un boss, je vous rassure. Il écrit son dernier souffle. Je n'ai pas compris. C'est sexy. Oh, sur cette ligne, il doit... Oh, j'arrête. Les étoiles d'argent
sont, je sais pas, par un instompable man, un homme. Je dois voir leur dos. Et là, attention, quatrième ennemi, et maintenant ils sont blancs ces ennemis. Ils sont beaux, ils sont blancs, incroyable. De la vie, génial. Toujours un tir préventif. Hop, diminution de mitraillette, je suppose. Non. Voilà, alarme normale. Je pense que ce qui doit changer avec la mitraillette, c'est la cadence de tir, le nombre de balles qui doit apparaître à l'écran. Ah, sale pré... Putain, le snipe à la con. Hop, des balles de mitraillette. Bon, maintenant, ce qu'il me faudra, c'est de la vie, en fait, là. Si c'est trop vous demander, meurs. Oh, des caisses, le seul point faible de ces ennemis. Enfin, des balles, surtout. Alors, si vous voyez que sur l'écran du jeu, à droite, il y a des petits problèmes de... Le scrolling, c'est normal, c'est une NES, on n'est pas là. On n'est pas une full capacité incroyable. Quatrième vie. Enfin, quatrième partie plutôt. Magnifique avion d'ailleurs, en arrière-plan. De la vie, ça c'est bon. De la vie qui clignote, oui. Les clignotements de la NES, ah là là. Il y en a à qui ça doit manquer ça. Je me prends une balle sur mes pieds. Attendez, je vais essayer de vous montrer. S'il me tire dessus, hop, les balles traversent mes pieds. Mais je ne prends aucun dégât. Oh, hop, je prends dommage. Hop là, en plein vol. Là, j'esquive les balles. Là, je prends une balle par contre et je suis arrivé à la fin du level. Et déjà 4 stages, c'est beaucoup. Alors, ah, là, c'est une... alors là c'est une partie du jeu que je vais vous montrer. Après je vais m'arrêter là afin de ne pas trop vous en montrer, mais je vous ai quand même déjà montré pas mal. Un jeu de shoot. Alors je sais pas si on pouvait y jouer à l'époque avec le zap roll, donc flèche de déplacement pour le curseur là. Et B pour tirer. On ne peut pas choisir son arme. C'est bête. En même temps, c'est un entraînement. Juste pour tester votre adresse. Il ne me semble pas qu'il y ait un système de scoring sur ce jeu. Enfin bon, né à une époque de NES, le scoring, c'est vrai. Qui cela intéresse-t-il? Le fait est de finir un jeu déjà. Pour l'instant on s'en fout, c'est pas trop dur. Ah ben justement, quand j'en parle, je fais une faute. Voilà, fin de l'entraînement, du training stage. Et nous voici dans ce cinquième level. Oh là là, maintenant ils sont jaunes et il y a des cailloux. Regardez bien, des cailloux, des grenades. Allez, au moins tu viens. Ça par contre, très intéressant. Allez hop, je tue tout le monde. Et je me prends tous les dégâts du monde. Je suis invincible, je m'en fiche. Oh, et c'est le boss là. Oh attendez, est-ce que je vais pouvoir battre le boss? J'ai battu un demi-boss. Et maintenant les ennemis utilisent des... Et c'est la fin. C'en est fini pour nous définitivement. Game over. Ah, c'est dommage. Et ben c'est là-dessus qu'on va se quitter. Sur cette super musique d'intro. En espérant que ça vous ait plu, n'oubliez pas comme d'habitude de proposer vos jeux rétro / fangame dans les commentaires. Peut-être le présenterai-je un jour. De laisser un petit pouce vert, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur Twitter @raius1. Bon jeu et à la prochaine.